Amour à vous tous. Alors, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Toute la communion a disparu de mon ordinateur. Donc, comme il y avait un texte très très essentiel pour commencer, je vous le lis. Je l'enregistre aussi sur YouTube. Donc c'est Dieu qui parle. Et c'était le 28/09/2022. Vu que ton nid, la terre, ne te fait la lumière sur rien, et que la peur viscérale de disparaître avec ta planète tend à s'installer, j'aime te révéler ma passion créatrice pour aboutir au devenir que tu sois éternel, sans retour possible, pour ton bonheur. De toute éternité, je n'ai pas le temps, sauf que lorsque je t'ai désiré, je l'ai nommé. Tu peux donc remonter par ton univers à 15 milliards d'années environ. J'allais constituer toute chose, comme toujours, mais dès l'expansion du point infime de l'énergie, je produisais en fait un logiciel matériel en fonction de mon but, mais seulement pour sa raison d'être. Je t'ai révélé pour une compréhension assimilable que la lumière que je suis prenne place par des lois, t'assurant des soleils, des galaxies, des étoiles. Pour me placer face à toi, dans ton présent, j'ai écrit. Et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Tu remarqueras que pour tous les éléments qui t'annonceraient, je n'avais besoin que de ma volonté bonne et belle. Je n'avais pas besoin d'autre chose que de ma passion créatrice. Je m'étais bien sûr engendré l'amour, mais je n'avais personne à aimer, puisque tu n'étais pas là. L'aboutissement le plus précieux, qui m'obligeait à plus de précision délicate, c'est l'affinement du système solaire, incluant la naissance de la Terre. Pas encore la tienne. Elle a 5 milliards d'années et tu n'en as que 2 millions. Mais dès son commencement, je ne pouvais me départir du fait que tu allais être l'habitant, le feu, la glace, l'eau portable, les jolies plages, tout commençait, la création d'un berceau. Pourtant, avant, l'harmonie, c'était, s'il existait, l'enfer, des choses, des... Je ne lis pas bien ce que j'ai écrit. Des canonnages, des astéroïdes, des monstres énormes dont tu ne peux trouver les traces, car bien avant les diplodocus, leur grouillement s'entretuant, réduit à une substance, t'a offert la terre féconde. Le temps ne me contente toujours peu, il n'existait que pour déconfiner les étapes de mon but. Le berceau conçu, je te créais. Si tout était fait et accompli selon mes désirs et besoins volontaires, les subtils s'imposaient. Alors que tout pouvait disparaître, toi, tu naissais pour être. Contrairement à tout, je te créais volonté.
elle n'est qu'à manifester. Pour capter l'amour, je t'ai doté d'un cœur qu'il t'appartient d'épanouir. Il n'y a que la terre qui est peuplée pour cet épanouissement. Je vis et j'aime au présent. Pour remplacer un logiciel condamné, j'ai, depuis 2 millions d'années, produit une œuvre. Je t'ai expliqué que pour beaucoup de choses que tu dois faire, tu dois considérer ces actions similaires aux automatismes de logiciels, de logiciels programmés. Ton cerveau en est capable et suffit. Mais pour les ressources de l'amour, les subtilités de la vie, comme moi, tu dois considérer chaque élément s'intégrant dans l'œuvre qui est la tienne. Parce que si tu es vivant grâce à la mienne, il y a quelques années, tu ne pouvais pas rêver sur l'aboutissement inéluctable de ton corps humain. Ce que je nomme par mon verbe, comme tu es libre de ne pas le croire, cela ne me dérange pas, car le temps est au savoir. Tes connaissances ont servi ton existence et révélé l'état du monde actuel. Car la vérité, c'est l'ensemble des lois que tu m'as obligé d'inventer qui permettent ma connaissance tangible. Bien sûr, m'aimer les annihile par la communion de nos fruits. Tu as compris ? Je ne féconde pas mes logiciels. Je ne le fais que dans le cadre expansé de l'amour, car il permet la vie. Et j'ai toujours la ressource de m'auto-féconder par mon œuvre pour la tienne. Tu éprouveras des émotions similaires, ne t'éprouvant plus dans les impératifs existentiels. Comme d'habitude, je vous donne mon Instagram. Donc il suffit d'aller sur rechercher et d'écrire mon pseudo. C'est mon prénom à l'envers. Je m'appelle Roland. Ça fait donc Dnalor. D-N-A-L-O-R en petites lettres. Et vous collez le chiffre 080. Ensuite, vous pouvez aussi aller sur YouTube. C'est en train de s'enregistrer sur YouTube. Et là, vous entendrez ma parole. Donc, pour rentrer dans YouTube, et il y a énormément de communions, il y a énormément de textes, il y a énormément de choses très très importantes, intéressantes, vu l'état du monde actuel, comment Dieu parle, ce qu'il veut, ben vous entendrez et verrez tout cela. Donc, il suffit de rentrer en mettant mon prénom, Roland, dans le bon sens, R-O-L-A-N-D, vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, Biot, B-I-2-L-O-2-T-E. Et vous aurez accès à tout ce que vous désirez. Si vous voyez que vous ne rentrez pas dans les 600 vidéos, marquez à côté Dieu, trouvez une solution pour que vous voyez toutes les vidéos que vous puissiez écouter quand vous voulez cela et le transmettre. Ensuite, vous prenez mon numéro de téléphone, 06 33 35 04 49. Et si vous avez quelqu'un autour de vous qui est blessé, qui est malade, qui est à l'hôpital, faites-moi par SMS, un message pour que je puisse faire cela ou à distance
même pas même devant la personne, ou si elle le veut, entendre effectivement le verbe et qu'elle obtienne la guérison directement en entendant Dieu parler par moi. Donc tout cela, vous le comprenez, c'est très nouveau, et pourtant, ça a été mis en place par l'ultime manifestation divine qui était annoncée dans l'Évangile, annoncée dans toutes les manifestations à un moment ou à un autre. Et parce que nous sommes à la fin d'un monde, obligatoirement, tout ce qui aurait pu faire que cela n'existe pas n'a pas pu se réaliser, parce qu'il y a eu un moment où c'était le temps du paradis. C'était en 1980, normalement. Donc Dieu, effectivement, dans un corps de chair, s'est remanifesté sur la terre. Il est resté toute une vie. Il s'est marié avec une épouse adorable, Jeanne, qui ne l'a jamais trompé, qui a été exactement ce qu'il fallait pour ses enfants, qui a été d'un courage extraordinaire dans toute son existence. Donc il s'est marié, il a eu 6 enfants, qui sont en fait les présences du paradis, parce qu'ils étaient très différents, mais surtout, ils ont été investis d'une liberté que nous n'avions pas. Parce que c'était directement la progéniture de Dieu dans cette manifestation. Donc voilà, vous avez plein d'éléments. Faites-en vraiment tout le bonheur possible. Et je vous ai tout donné. Donc là, je vais arrêter la narration pour que ça puisse être enregistré et que ça parte sur YouTube.